Vlogos. Vlogissons ça, ça. Vlogos. Vlogos. C'est très, très bas comme très ton. Très bas. Comment ça va? Moi, ça va. Et toi? Bah, ça va hyper bien. Et j'espère que vous, vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe plusieurs choses. Plusieurs choses. On est Guillaume et moi pour commencer ce vlog parce que les autres jouent au tennis. Ouais. Et il y a PA et Agathe, on va aller les voir. PA et Agathe qui sont en train de manger juste ici. Et là, on peut voir la table pas du tout débarrassée. C'est un vlog où on va regarder comment est rangée la maison. Alors, on va faire un petit état des lieux. Ouais, on va faire un petit état des lieux. On va circuler dans les pièces et là, on s'est dit, bon, il y a un moment, il faut déjà prendre conscience, puis réagir. Donc, on va prendre conscience ensemble et on réagira peut-être ensemble. Prise de conscience de la table ? Table déjà. Prise de conscience de la table, on a quoi ? On a des couverts, un petit fond de salade, une gourde, un verre, même plusieurs verres, des petits goûters par ici. Il reste du Nutella, ce qui à 14h est quand même bizarre. Du Nutella, ouais, et le cheesecake. Une fin de cheesecake. Voilà. Et évidemment, la fameuse une pince qu'on utilise souvent en dessert. Des habits, attention, hein. Des vêtements. Des habits partout, hein. Des vêtements. Suite de la prise de conscience. Bon, on va quand même aller dire bonjour. On va saluer nos chers amis. Hello. PA, Agathe, bonjour. Bonjour à tous. Vous mangez quoi? On est sur deux plats complètement différents. Là, on a des légumes principalement. Petits champignons, aubergines avec petite salade, mâche, tomate et 2-3 olives. Incroyable. Et à côté, nous avons... Reste d'hier, donc pâte, voilà. Donc là, il y a eu côté préparation un peu élaborée, il faut penser... Là, il y a 20 minutes de travail, là, il y a 20 secondes au micro-ondes. Et okay, là, il y a une adulte, et là, il y a... Et entre vous, il y a un paquet de chips. Ouais. C'était hier, ça. C'est très bien. Et vous jouez à quoi? Est-ce que tu connais Boomerang Fu? Non. Alors moi, je veux faire la promo de ce jeu. Est-ce que les gens connaissent Boomerang Fu? Pour moi, c'est le meilleur jeu Switch du monde. Et c'est pas connu je crois du que tout, je suis la seule personne à jouer à ce jeu. Donc, peut-être un petit indice. C'est quoi le but? Bah, en fait, je suis un petit sushi avec des boomerangs. Et puis, faut que je casse les autres ingrédients. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ressemble à ça. Voilà. Nous, là, on est en train de faire un état des lieux de à quel point la maison est mal rangée. Ici, je trouve que ça passe. Bah, on peut pas dire que c'est rangé, on peut pas dire que c'est rangé, mais c'est des pas. Des enceintes, des chargeurs, il y a des coussins partout, des vestes. Des coussins, des vestes, boîte de bonbons vides. Mais dans l'ensemble, tu vois, sur le plan un peu de loin. Grand angle très passe. Loin, ouais. Voilà, des pulls, quoique. Ouais. Là, dans le champ, il y a la petite table derrière. Et puis, il y a une light de chantier. Dans un salon, n'oublie pas qu'il y a toujours des light de chantier. Hein. C'est classique. Vous êtes rentré dans la cuisine ou pas? On n'est pas encore rentré dans la cuisine. Dans le fond du grand angle, là, on voit cette table. Ouais. Et là. Pareil, hein, toujours le fameux duo drone café froid. Le café doit être là depuis super longtemps. Bon, là, moi, là c'est pas ouf non plus. Hein. Il y a 12 ardoises. Évidemment, on va rentrer là dans le cœur de la cuisine. Je pense que c'est ce que je redoute le plus. C'est ce que personnellement j'aime le moins ranger. Alors, je suis en début de fond. Déjà, non, mais, pas alors... les odeurs, mais ça sent le rhum. ça sent pas ouf. Mais je trouve que là, c'est assez rare en ce moment. Mais le plan de table est dégagé. Alors, dégagé, mais avec du fromage râpé. Hein. Oui, toujours. Toujours. D'accord. Mais dégagé. La vaisselle, tentative d'être vidée ou remplie, non, je ne sais pas. Non, pas. Si. C'est qui ne marche plus. Hein, si. L'évier, bon, n'en parlons pas trop. Ouais, ça, c'est 2 sur 10. Là, où ici, on va passer, là, par contre, là ça on mal. Passe un level. Là, on passe un level. Mais... Attends, mais là, il y a du génie, là. Parce que ça, c'est... Vas-y, présente-nous les différents. Bah, alors, ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est une caisse où on range des câbles. Jusqu'ici, pas de problème, puisqu'en fait, c'est plutôt le coin technique. Au-dessus, il y a une caisse à outils, okay. Donc avec des outils, avec des marteaux, avec des tournevis. Et, comme chacun sait, dans un garage, au-dessus, il faut mettre toujours au-dessus de la caisse à outils des citrons, un petit peu de sucre de canne, un bol, un couteau de cuisine et du raisin un peu écrasé. Ça a servi donc de plan de travail. C'est ça. C'est parfait, et puis là, il y a ça. Mais c'était pour une vidéo, mais j'avoue, on n'a toujours pas rangé depuis. C'est ouais. Peut-être le pire. Et le gâteau basque. Gâteau basque, évidemment, qui est sous les raisins. Ok, c'est sympa comme jeu. C'est dur. Hein. J'avais un jeu de société quand j'étais petite et t'as plein de formes, de n'importe quelle forme, et le but c'est de tout empiler et que ça tienne. C'était trop bon. Bon, et là. Je commence à regretter un peu le vlog, là, je commence à avoir honte. Qu'est-ce qu'on a? C'est le drame.
un peu de jaune d'œuf. On a des œufs. Ah, mais juste les coquilles, hein. Juste les coquilles. Ça, évidemment, hyper dur de mettre ça à la poubelle. Donc on préfère laisser ça ici. Et là, on a des oignons. Des oignons rouges. Et juste les épluchures. Bon, et puis là, c'est en fait, l'évier. En fait, si imagine, on avait 10 éviers. On remplirait les 10, non? Ah, mais c'est sûr. Si on avait 10 tables, les 10 tables seraient comme ça, hein. Bon, on va. C'est un peu la cata, il faut qu'on réagisse. Camille, on va réagir, on va ranger tout ça. On va aller voir les autres gars. Ok. Qui jouent au tennis, je crois. Vas-y, on va les voir. Et il faut absolument que après leur tennis, on leur partage notre prise de conscience. Ah, bon, là, on a quelques accessoires de sport, hein, des plots, un club de golf, ouais. Ça une batte par terre, sur le chemin. Ouais, c'est sur le chemin. Ouais, mais. C'est sympa. Je vais la prendre pour aller un petit peu cogner. Par contre, il fait hyper beau. Ce temps est absolument incroyable. C'est un peu un scandale. Je crois même que j'ai bronzé. Dites-moi ça dans les commentaires. Oh là là, on va. Oh là. On arrive Vlogos, les amis. Qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce qui se passe par là? 4-4, les gars. Tie break? Ouais. Tie break, 4-4, t'as expliqué, Guillaume, rivalité de Gavet? On va expliquer. Ok. Donc là, on a une team Pierre-Lucas contre Fred et Ben. On va appeler ce vlog règlement de compte dans la villa. Okay. Qu'on soit bien clair de ça. En gros, il y a eu. Il y a quoi? Il y a eu 2-7 pour vous. Partout. Il y a 1-7 pour eux, 1-7 pour nous. Après, 2-1. Et là, il y a 2-1 pour eux. Mais il y a tie break sur le 4ème set. Donc c'est hyper serré. Si on perd ce tie break là, on perd tout le match. Ok. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a peut-être un petit enjeu parce que là, la cuisine, c'est. Ah, pas que la cuisine. Hein. Pas que la cuisine d'ailleurs, c'est la catastrophe. Donc, le vainqueur du match, enfin les vainqueurs, ils font rien. Et les perdants, ils viennent ranger la cuisine. Oh, je regrette presque de ne pas avoir pris de cours de tennis dans mon enfance. Ça va nous transcender. Ok. Qui dit ça à Federer avant un match. Attends, 4-4, service à Ben et après, c'est 2 services à nous. Ouais, ça. Allez, tiens, on donne tout là. 4-4, normalement déjà ils sont à droite, ils sont pas à gauche, mais bon, peu importe. Vas-y, viens. Allez, mon Badion. Oh là là. Oh la pression. Oh là là. Oh, c'est bien joué. Il vient attaquer au filet. Voilà, Zidane, Pierre. À toi, mon Hugo. Oh, elle est belle. Oh non. Oh, oui. 5-4. C'est pas grave, on y croit, Pierre. 2-5-4. Ouais. C'est à moi. 5-4 pour qui là? 5-4 pour Pierre-Lucas. J'ai dégainé les lunettes de soleil. Il faut que tu serves à gauche. Attention à pas casser le rythme les gars, là, on les connaît. Allez, tiens. C'est sur qui? C'est sur toi. Sur moi, ok. Je connais pas les règles. Oh là là là. Ça m'a l'air d'être dans le filet. Bien vu ça, Camille. Et pourtant, je connais pas les règles. Bien joué. Attends, Louis Coach. Oh là là. Oh, ça va sortir. 5 partout. Service Lucas. C'est serré. Lucas, si tu veux, je te remplace. Hein. Non, t'inquiète. Ok. Allez. Quel match. Enfin, je fais des ramadas. Ah bon mais... Allez, bon, la vaisselle là et tout. Oh là, double faute. Lucas. Oh, il craque mentalement. Ça arrive jamais à part en vlog, ça. Ah, ça sent la vaisselle. Oh, c'est à qui, c'est à Fredo? Ça sent le pack citron ici. Balle de match. À gauche. Oh, balle de match, hein. À gauche, Fred. Y'a quoi, 6-4? Dans l'autre sens. Sur moi? Ouais, sur toi. Quand t'as la pression. Allez, tiens. Il monte au filet. Il monte au filet avant le retour. C'est parfait. Regarde, là, ça peut pas ici. Ça sent le pack citron ici. En fait, je suis presque plus pour Lucas et Pierre parce qu'ils savent pas faire la vaisselle. Donc s'ils la font, ça marchera pas en fait. C'est vrai. Bon, après, il y a l'option lave-vaisselle. Ouais, mais ouais. Vu tout ce qu'il y a, tout ne rentrera pas dans le lave-vaisselle. Ouais. Un rebond avant le filet, c'est pas bon ce midi. Elle est belle. Non, c'est venu. Oh ouais. Allez, alors, non. Juste, je précise, l'éponge, l'éponge est au fond de la cuisine. Attendez, ok. Normalement, on est bien avec Pierre, c'est le vlog qui m'a déstabilisé. Balle de match, 3-7-1.
C'est le vlog que vous êtes abusé énormément des meilleurs. Les gars, regardez à qui vous frottez. Mais non. Regardez là. Non, attends, on a fait bien mieux. Et là, la cuisine, elle est mais. Mais je vous jure, c'est dramatique. On était meilleurs normalement. Prenez le temps de bien nettoyer, de bien frotter. Que nous, on continue un peu de tennis. Ouais. Parce que là, on a. Allez, bonne vaisselle, les gars. Ça nous a déstabilisé le vlogos. On était trop chaud. En tout cas, les gars, merci pour l'échauffement. Moi, je vais jouer avec Ben. Allez, ciao. Allez, ciao. Ah, c'est dur. C'est dur là. Bon. Attends, mais franchement, je suis deg. Bah, on va aller voir. Tu nous as mis du bois comme jamais là. Ah, là, c'est dur là. Vous allez voir, hein. En plus, franchement. Voilà, y a pas là, il y a du niveau. On vous amène ? Ouais. Vas-y. Ah, tiens, c'est mentalement dur là. Et c'est reparti, nous on se balade, hein. Bon tennis, les gars. Ah, mais j'ai oublié. Oh, ça sent le seum là. Ah. Ouais, ça pue le seum. Hein. Je te jure, c'était serré et tout, et là, on est pas bon. Bah, 4-4, hein. On arrive à 4-4. Hein. Ouais. C'est dur là du sport, comme vous dites. C'est dur là du sport. On va aller à l'intérieur, vous allez voir, c'est une explosion thermonucléaire. Par contre, oui. Par contre, c'est le temps parfait pour un tennis, c'est trop cool en vrai. Ouais. Enfin, ouais, c'est pas le temps parfait pour la vaisselle. Ouais. C'est pas le temps pour ranger. Mais en tout cas, vraiment, c'est un beau, une belle région ici. Il fait toujours beau et tout, c'est trop bien. T'as joué à ça ? Ouais. Attention, Camille, tu veux filmer ça ? Voilà. Ça va être un home run. J'ai hyper peur. Attention aux fenêtres. Top fait un carreau. Bon. C'est bon. Ok. Très bien, parfait. Putain, je suis dégoûté. On s'essuie les pieds avant de rentrer. On se parle après. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, après, on refait un autre set. Hein. Contre qui ? On avait plus d'adversaires. Allez, on débarrasse, on est chaud. Ok. Oh là là. Mais c'est pas le pire. Ouais, c'est pas ça, en fait, le pire. Mais bon, allez, hein. On peut le manger ou pas à la place de débarrasser ça ? Moi, je vais manger ça. Ah ouais, ça me rend triste. Allez, Lucas, allez, Lucas. Ça marche. Il se déconcentre en moins de une seconde. C'est très fort. Hein. On fait une pause là ? Ça joue à quoi là ? Pas mauvais. Ce jeu-là, Paye m'en parle depuis 2 mois, c'est son jeu farce. Hein. Tout le temps, il propose un mouvement fou, c'est son. Il n'a jamais accepté. Non. Oh, c'est faux. Ok. Ah ouais, c'est l'énergie là. Hein? Moi, je vous ramène des trucs. Fais comme ça. Après, on a la vaisselle. Hein. Bah, moi, je mange ça, attends. Hein. Regarde, c'est ici que ça part en steak. Là. Ah, ouais, là, c'est. Génial. Ah, c'est dur là. Ok. Tu passes un bon moment, Pierre ? On montre vraiment ça en vlog là ? En termes de contenu ? Les gens sont contents ou pas ? C'est donc que c'est pas que nous la faute. Non, c'est tout le monde. Mais pour notre défense, on a un très gros emploi du temps. Pierre. Non, mais nous on commente. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est quoi ? Je vais aider et je vais mettre ça à la poubelle. Oh là, merci beaucoup, Camille. C'est pas gentil. Ouais, t'as sur une petite tasse remplie de café froid. Hop là. Ça c'est très Camille élevé ça, normalement les tasses remplies de café. Pas forcément. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de qui est le plus bordélique de la maison ? Dur à dire. Ah, il y a une favorite. Non. Allez. Non, ma chambre est hyper bien rangée. Il reste Agathe aussi, mais Agathe, connaissant Agathe, non. C'est pas Agathe. Ma chambre est hyper bien rangée et je mets tout dans le lave-vaisselle. Ça c'est le pire. Les gens qui rangent bien leur espace mais qui dès que c'est commun, mais non, dès mais... que je lasse le truc. C'est l'horreur. Mais non, mais à part ma tasse de café là, tout le reste, c'est pas à moi. Hein. Hop là, regarde. Hop. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont pas les odeurs, hein. Ça sent pas mal grand, hein. Ça sent tout plein d'odeurs. Oh là là, il y a un arbre dans l'évier. Hein. Ouais. Il est pas une poubelle en évier. Lucas, tu fais quoi ? J'ai l'expérience, c'est pas là. Tu sais, les assiettes, elles sont hyper sales. Ok, bravo. Pour enlever ce qu'il y a dedans, pour vraiment les mettre au lave-vaisselle. Regarde un technique. Ça a l'air plus marrant ce qui se passe avec Boomerang Fou. Hein. Vas-y, vas-y, viens. Je te conseille même d'aller voir Boomerang Fou. Hein. Vas-y, je vais aller voir Boomerang Fou. T'as un 7-5. Ça dit quoi ici ? Bah, il y a 2 en moins. Ok, je peux tester. Boomerang Fou ? Ouais. Tiens, vas-y. Mais tu vas. Alors, t'es le. Vas-y, en échange, tu prends la caméra et moi je teste. Avec plaisir. Je suis qui ? T'es le petit sushi en bas à gauche là. Le petit mec. Je vois même pas. En bas à gauche ? Ouais, ouais. Ah, je suis ça là ? Ouais, t'es. Et bah... c'est quoi le but ? C'est de. Ah, j'ai sauté. Castagne les autres. Ah, ok. Là, tu t'es fait castagne par Agathe. Ah, mince. C'est juste une baston en fait. Ouais, c'est une baston de boomerang. Ok, je peux manger tes pâtes aussi. Toi, il reste l'avocat, il reste l'avocat. Ah, mais c'est que ouais. Des aliments. Moi, j'ai une tasse à café, hein. C'est un aliment vraiment. Ok. Donc là, j'ai pas gagné par exemple. Non, et tu m'as fait perdre. Ouais, okay. Et du coup, je reprends mon avance. Je prends un joueur à boomerang fou. Ah, le fameux boomerang fou. Donc là, je suis qui moi ? T'es toujours le petit sushi en bas. Mais pourquoi je peux pas bouger ? Bah, parce que ça a pas commencé. Ah, ok. J'ai pris une surprise là. T'es accro au café ? Oh, comme dans la vraie vie. C'est hyper prenant. Non. C'est hyper prêt aussi. Et Agathe, toi, tu viens de découvrir ce jeu là ou tu connaissais ? Je connaissais pas. Je suis en finale. Ah, mais si.
J'ai gagné. Bon, ça me suffit. Oh, il n'y a plus de chips. Non, on vient les finir. Ouais. Qui a fini? Des os. À deux. Ok, bravo. On va voir l'avancée des autres. Ça se passe ici? Regarde ça. Je montre vraiment ça? Les gens qui mettent leur assiette et qui l'évitent pas avant. Donc il y a tout dans l'évier là. C'est ça. Camille, pour combien tu manges une cuillère de ça? Impossible. Pour info, je viens de tester Boomerang Fou et j'ai gagné une partie. Ah. Pour 5 euros? Non. Mais 5 euros. Mais après pour qui là? Ça c'est l'enfer aussi. Hein. Mais oui, surtout tout est l'enfer. Tout est l'enfer là-dedans. La vie est en enfer. Hein. Ok, ah ouais, la table. Oh, table, mais elle me dégoûte quoi. Mais vraiment des animaux quoi. Il y a même plus de place en plus. Bon, c'est responsabilité collective. Hein. C'est un. Mais oui, c'est ensemble. Et ce qui est dur, c'est que quand il y a un truc qui traîne, t'as limite du mal à ranger derrière et tout. Et du coup, ça s'empile. Tu sais que alors, pour me défendre, Guillaume, un truc. Ça, c'est regardé. Oula, fantastique ça. À la fin d'une soirée, je tiens à dire ici. Ouais. Donc j'étais allé me coucher en dernier et donc il restait plein de trucs sur la table. Je me suis relevé de mon lit en disant non, ça va pas quand même Lucas, pour aller ranger les trucs en pleine nuit. Qui? Alors, qui? Bravo Lucas, mais alors je veux un coupable, je veux quelqu'un qui s'autobalance. Qui a mangé des chocapics ce matin, en fait tomber 3 sur la table et les ramasse jamais? Alors moi je les ai tombés, je les ai ramassés pour le coup. Y compris ceux-là? Alors, je sais pas si qui d'autre manque des chocapics? Il y a que toi et Lucas. Moi j'ai versé les chocapics là-bas, donc je pouvais même pas. Ok. Donc il y a apprécié, non? Non, moi j'en ai pas pris. J'ai pas déjeuné ce matin. J'ai pas pris de petit déj. Tu vois ça? Tu les laisses tomber? Non, moi j'en ai fait. Justement, il y en a qui étaient tombés, je les ai ramassés, je suis sûr. Oui, mais ceux-là. Ils sont là. Ceux-là, je sais pas comment ils sont arrivés là. Après, ils font leur vie. C'est limite pas ce qui me dérange le plus. Bah, c'est clair. À Nice, mais. Oui, mais ça c'était tournage. Ça, on mais oui, c'était pour une vidéo. Donc, à Nice, on se dit c'est pour le tournage. Ça va vite. Oui, ça viendra. Et là, c'est dur niveau place. Non, Lucas, je suis sûr que tu peux trouver une place. Merci beaucoup. Bon, il se passe quoi maintenant? Qu'est-ce que... Moi, je vais tomber en dépression, puis après, on va... Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez monté quoi dans ce vlog? On a fait un petit tour de la maison. Ouais. Il va falloir qu'on fasse des courses, non? Ouais. Oh. C'était quoi ça? Logos. Oh merde. On parle. Mais quoi? Accident en direct. Oh là, on a la miniature. Oh non, je suis pas dans mon match. En vrai, je suis pas dans mon match. Mais il y a du verre partout, il y a de la moutarde partout. En vrai, on était à 4-4 et après, je suis sorti de mon match. C'était mal au jour, ouais. Donc, déjà, il y avait tellement à ranger et maintenant. Vas-y, mais on lève jusqu'à demain, comme d'hab. Ok, ça marche. On laisse ça une semaine par terre et puis on voit. Ah merde, ça va échapper les mains. Pas marcher pieds nus ici. Tu peux aller chercher un balai, s'il te plaît? Un quoi? Un balai. C'est un manche. Je rigole. Poil au bout. En vrai, ils sont où? Il est où? Mais là, c'est même pas un balai qu'il faut, non? Voilà, là, il faut un truc là. Oui, c'est pas du tout un balai. Ah ouais? Faut une pelle, c'est ça? Faut une pelle? Non. Faut un marteau, c'est quoi le. Mais essaye tous les outils. Hein. Attention, ça coupe. Faut commencer un peu au sopalin déjà, je pense. Ah non. Ah non, bon, bah non, là. Allez, ne prenez surtout pas exemple sur nous. Attends, quel mauvais sopalin. Pour le coup, on a vraiment pas eu de bol, c'est la première fois que ça arrive ça. Mais oui. C'est pas du bol ou pas du bol. Hein. Ouais. Ça en plus, c'était pour une vidéo et c'est un peu de notre faute, Lucas. Faut le dire. Non. Vous verrez quand ça sortira, vous comprendrez. C'est peut-être nous, c'est vrai. Mais nous, malgré nous, même, je peux dire. C'est pas totalement. Allez, sopalin, on le tente. Hein. Vas-y, te coupe pas les doigts hein, parce que sinon c'est un total en direct. Oh là 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 là. Vas-y, lance le lave-vaisselle encore. Ah, ça c'est beau. Fais la vue du bloc. Quelqu'un peut m'aider? Lucas, tu peux m'aider aussi un peu? Bah oui. Vas-y, assume les erreurs des autres. Sinon, Camille, je tiens la cam si tu veux et toi t'en es pas. Bon, vas-y. C'est vrai? Ah non, quand même pas. Ouais. C'est une blague à la base. Oh, il est trop sympa. S'il y avait pas de caméra, tu laisserais tellement lui. Non, mais c'est faux de ouf ça. Ok. Faut juste pas se couper, faites gaffe. Hein. Ah ouais, faut y aller avec parcimonie. Hein. Avec un super bruit de la plage en fond. Ouais, c'est ma machine. Oh. Ouais, c'est ça dégoûte ça. Pour combien tu prends une cuillère de ça? Tu sais que Camille, tu vas contaminer avec ça dégoûte ça. C'est un film toi tu dis souvent ça. Ah, ça dégoûte. Ah bah là pour le coup. Et depuis je dis souvent ça. Ça dégoûte et en plus j'aime pas la moutarde donc j'apprécie pas spécialement le. Ouais, mais c'est quand même gaspillage, pardon. Ça m'a vraiment échappé des mains. Je sais pas si. Si, c'était vraiment sur toi à ce moment-là. On a tout vu. J'adore voir, c'est pas lui en direct. Lucas, t'es si appliqué. Merci beaucoup. Allez, va avec tes doigts, fais gaffe, tu vas te couper. Mais non.
Vas-y. Passe. Et on peut jusque là. Alors que j'ai rien fait, j'ai bien entendu. Oula. Ouais, et la next step, c'est le ballet. Ok. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus et on vous demain le résultat quand tout est propre? Ouais, demain on vous montre quand tout est rangé. Demain. De toute façon, demain on va cuisiner avec Ben. On va faire la cuisine. Donc demain, Guillaume et Ben cuisinent. Je suppose que ça va cool, être à base de légumes. Oui, il y aura plus de légumes que de curry. Et demain, quand on montre la cuisine, quand il cuisine, tout sera nickel. Tout sera propre. Tout sera incroyable. Tout sera parfait. Ouais, ça, c'est promis. Tout sera brillant. Ok, ça marche. On vous laisse là-dessus. Bah, on vous laisse là-dessus. On se dit demain. On se voit demain. À demain. Je vous dis à demain pour un repas, ma foi, plutôt sympathique. Plutôt sain. Ça va être très bon. Très sain. Et puis, pluie d'amour et de bisous. Pierre, t'as un truc à rajouter? Faites attention à vos pots de moutarde. Faites attention au bout de verre. Salut! À bientôt! Bisous à tous! Ciao!